Graças a Deus. Graças a Dieu, Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, nós te pedimos, nous te demandons, suplicamos, nous te supplions, a tua direção, ta direction, meu Pai, mon Père, quando no deserto, Moisés, quand Moïse était dans le désert, dirigia o teu povo, et dirigeait ton peuple. Mas a tua presença, mais ta présence, era nitidamente, elle était vista clairement da nuvem, vue à travers o le nuage. Via, le peuple voyait a coluna de fogo durante la a noite, colonne de feu pendant la nuit. E durante o dia, et dans la journée, era uma nuvem espessa, il avait une nuée épaisse. Eu sei, meu Pai, je sais, mon Père, que o teu Espírito, que ton Esprit, paira sobre nós, todos, il est sur nous tous. Mas o teu Espírito, mais não ton pode Esprit, ser visto, il ne peut pas être vu, a nuvem, comme a été vu la nuée. Mas nós podemos, mais nous pouvons, mediante a tua palavra, à travers ta parole, ter acesso, avoir l'accès, à tua vontade para à ta volonté vidas, pour nos vies, a direção, la direction pour nos vies, porque estamos, parce que nous sommes aussi no deserto, dans un désert. E precisamos da direção, et nous avons besoin de la direction du Seigneur, para que não erremos, pour que o caminho, nous ne não nos trompons pas dans le chemin, direita, nem para esquerda, nous ne dévions pas ni à droite ni à gauche, porque o teu povo, parce que ton peuple, traz dúvidas, apporte avec soi des doutes, des incertitudes, necessidades, des besoins, problemas, des problèmes, dificuldades, des difficultés, problemas financeiros, des problèmes financiers, problèmes familiaux, de saúde, problèmes de santé. A mesma coisa que aconteceu, la même chose no deserto, qui est arrivée dans le désert, lorsque Israël marchait vers la terre promise, não mudou. Il n'a pas changé. Apenas seulement os tempos mudaram, mas les temps ont changé, mais les problèmes sont les mêmes. As preocupações les préoccupations demeurent les mêmes. Os medos são os mesmos. Les peurs sont les mêmes. O espírito, l'esprit do mundo é o mesmo, du monde est le même. Mas o espírito do Senhor, mais l'esprit du Seigneur est aussi le même, mon Père. Assim como o Senhor, ainsi comme le Seigneur a dirigé, a conduit ton peuple, conduit le peuple qui est ici, oh Père. Porque nós não estamos, parce que igreja, nous ne jouons pas aux églises, aux religions. Nous mettons nos vies 100% então, dans ta dépendance. Direção, alors, nous, il nous faut ta direction, mon Père. Éclaire nos yeux, notre compréhension. Ouvre l'entendement de nous tous, para mon Seigneur, pour que nous sachions ce que le Seigneur veut de chacun d'entre nous. Je sais que le Seigneur n'exauce pas seulement l'un ou l'autre. Le Seigneur exauce à tous, tous, à 100%. Tous ceux qui t'invoquent dans la sincérité, indépendamment de mériter ou pas, indépendamment des péchés. O que vale, ce que é compte, pessoa, c'est lorsque la personne, vida, elle met sa vie, sua mente, sa pensée nas tuas promessas, dans tes promesses. E age, et elle agit cette oh, fois. Meu Pai, nome do oh mon Senhor, Père, Jesus, au nom du Seigneur Jésus, nous te demandons, enlève do entendimento,
de la compréhension de ton peuple, l'esprit qui bloque, l'esprit que fait les personnes rester aveugle spirituellement parlant. Au nom du Seigneur Jésus, je te demande, et tous ceux qui croient, dites Amen et grâce à Dieu. Vous pouvez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Foi ne s'agit pas de religion. La foi n'a pas un rapport avec la religion évangélique. La foi n'a un rapport avec aucune religion. La foi, c'est la vie. Vie. La foi a un rapport avec la dépendance de Dieu. La foi, c'est dépendre de Dieu. Lorsque vous dépendez de Dieu, vous agissez votre foi. C'est-à-dire, ce n'est pas assez pour vous de fréquenter le temple, venir ici faire vos prières, donner vos offrandes, être fidèle dans les dîmes, car cela est le minimum. Cela est la foi. Mais ce n'est pas assez pour que vous preniez possession de ce que Jésus promet, la plénitude de la vie que Dieu promet. Dieu l'a dit, mon juste vivra par la foi. Lisez là en Hébreux chapitre 10, verset 38 dans votre Bible. Si vous avez la Bible avec vous, ouvrez dans le livre d'Hébreux. Si vous connaissez ce livre, cette lettre, c'est une lettre de Paul, chapitre 10, verset 38. Il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Lisez-la, s'il vous plaît. Bien fort. Vous voyez? Ni tous sont la Bible. Qui a la Bible là, maintenant? Levez la main. Ni tous sont la Bible. La Bible. C'est quelque chose que vous devez en permanence porter avec vous. Pas seulement quand vous venez à l'église, mais même quand vous allez travailler. Enfin, passez la journée avec la Bible dans la poche. Il y avait une petite Bible pour que vous vous adaptiez mieux et que vous puissiez consulter tout le temps. Parce que c'est là que vous allez trouver la direction. Saint-Esprit va parler avec vous à travers la Bible. Le Saint-Esprit parle avec nous à travers la Bible. Alors vous devez être familiarisé avec elle. Alors voyez, chapitre 10, verset 38. Et mon juste, que veut dire cela? Mon juste, qui est juste devant Dieu? Qui est juste? Meilleur disant, qui mérite les bénédictions de Dieu? C'est la même chose. Être juste ou être ou mériter devant Dieu, c'est la même chose. Si vous avez été déjà devant le juge, et le juge, il a décrété votre cause en disant que vous êtes acquitté, que vous êtes libre, vous n'avez commis aucune faute. Alors le juge vous a dit que vous êtes juste. Alors vous, avec ce papier, justifié par le juge, c'est fini votre problème avec la justice. Vous n'avez plus aucun problème avec la justice. Vous êtes justifié par votre travail, par votre preuve, que vous n'avez commis aucune erreur, aucune faute. Lorsque Dieu parle du juste,
Il parle de quelqu'un propre. Tu es propre, tu le mérites, disons comme ça. Tu peux demander, tu mérites. Comprenez-vous ce que je dis? Oui ou non? Mais qui est juste? Nous savons que nous tous, nous sommes pécheurs. Alors comment pouvons-nous être pécheurs et justes en même temps? Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. Nous ne méritons pas par nous-mêmes. Mais lorsque nous mettons notre foi, notre confiance, lorsque nous mettons notre vie en Jésus, qui était juste, qui était parfaitement juste, et qu'il est mort juste, mais qu'il a porté avec lui nos péchés, alors nous sommes justifiés devant le Père. Par exemple, ici se trouve le trône du Père. Le trône du Père, l'arche. Ici, c'est Jésus. Alors moi, je suis pécheur. Je n'ai droit à rien. Mais Jésus est mort pour moi. Il a porté mes péchés. Il a porté les péchés de tous. Mais ni tous ont l'accès au Père parce qu'ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas mis leur vie en celui que justifie. Alors, je vais à Jésus à travers la foi. Je ne vois pas Jésus, mais la foi, c'est une certitude de choses qu'on attend. La certitude, à cause de ma foi en Jésus, automatiquement, je suis lavé, je suis purifié et j'ai accès, un accès personnel à la présence du Père. C'est comme ça que cela marche. Amen. Vous comprenez? Par exemple, l'Église catholique, elle apprend. Demandez à la mère, parce que la mère, elle comprend. Et la mère va intercéder auprès du Fils pour vous. Il n'y a pas de mère. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de mère. Où est-ce qu'il y a? Dieu n'a pas de mère. Si Dieu aurait une mère, alors la mère serait plus grande que Dieu. Ou c'est pas vrai? Il suffit de penser, utiliser votre intelligence, juste un peu. Dieu n'a pas de mère. Dieu a eu mère pour engendrer le Fils Jésus sur la terre. Mais après, là dans le ciel, Jésus, il est retourné, s'est assis dans le trône du Père. Lui, le Père et le Saint-Esprit sont qu'un seul. Il n'y a personne au-dessus, il n'y a pas de mère. Vous voyez que la Sainte Trinité, c'est Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Où est la mère? Où est la mère? Où est la figure de la mère? Il n'y a pas. S'il y avait, serait Dieu Père, Dieu Mère, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Oui ou non? Oui ou non? Mais il n'y a pas. Ils sont trois, pas quatre. Uniquement à travers Jésus, vous avez le droit de rentrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, par ce que Jésus a fait, à travers Jésus, vous rentrez dans la présence du Père. À cela, on appelle foi. Parce que vous ne voyez pas le Père, vous ne voyez pas le Fils, vous ne voyez pas le Saint-Esprit. Vous ne voyez rien.
La foi, c'est cela. La foi intelligente, la foi rationnelle, elle est appuyée dans la parole. C'est-à-dire, vous utilisez l'imagination, vous utilisez votre tête, votre intelligence, votre raison. Vous utilisez votre tête. Et quand vous utilisez votre pensée, quand vous plongez votre imagination, votre pensée dans les pensées de Dieu, vous recevez la foi pratique, la foi divine, la foi qui fait la différence, que n'a rien à voir avec la religion. Rien à voir avec la religion. Alors, dans ma pensée, lorsque moi, par exemple, quand je prie, quand je parle avec Dieu, je m'imagine dans la présence du Dieu Père. Pourquoi? Parce que je rentre dans sa présence en disant, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, je rentre dans ta présence. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, oh Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, je ne vois pas le Saint-Esprit, je ne vois pas le Père, je ne vois pas Jésus, mais la Bible, la parole de Dieu, elle m'apprend que en Jésus, j'ai l'accès à la plénitude, à la totalité de Dieu. Tout cela fonctionne où? Dans la tête. Dans la tête. Cela n'a rien à voir avec l'émotion, des sentiments. Ah, je ressens Jésus ici. N'importe quoi. Ah, moi, je ressens frissons. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez ressentir des frissons. Vous pouvez dire que vous avez envie de pleurer. Ok. Mais tout cela, ce sont des œuvres, des sentiments, des choses du cœur qui n'ont rien à voir avec la tête. Dieu nous a donné quoi? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Qu'est-ce que Dieu nous donne? Savez-vous? Qu'est-ce que Dieu nous donne? Alors, lorsque nous avons la parole, nous utilisons quoi? La pensée, l'intelligence. Cela n'a rien d'émotion. Vous lisez, et ce que vous lisez, là vous commencez à ouvrir votre imagination. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras. C'est-à-dire, vous utilisez la pensée pour mettre votre vie dans cette personne invisible. Amen. Notre obéissance à la parole de Dieu, c'est elle qui montre le niveau de la foi que nous avons. Comprenez-vous ce que je dis, oui ou non? Votre foi, elle est mesurée par le degré d'obéissance à la parole de Dieu. Votre foi, elle n'est pas mesurée par la quantité de fois que vous venez à l'église, votre assiduité à l'église ou à la religion.
Votre foi n'est pas mesurée par votre pratique religieuse. Votre foi est mesurée par votre obéissance à la parole de Dieu. Lisez avec moi dans le livre de Genèse, premier livre de la Bible, Genèse chapitre 26. Vous allez voir quelque chose d'intéressant. Olha só. Deus aqui fala com Isaac. A partir do verset 2, ça devient encore plus clair. L'Éternel lui apparut à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte. Dieu parlant à Isaac, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Orientation. Direction de Dieu pour Isaac. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Regardez bien, Dieu sait que vous voulez de l'argent. Vous avez besoin d'argent. L'argent est un outil pour que vous puissiez avoir du confort dans votre vie, apporter l'alimentation pour votre maison, maintenir votre famille. L'argent est un outil. Abraham avait besoin aussi. Mais Abraham avait besoin plus qu'argent. Il avait besoin des terres pour pouvoir s'aimer et récolter. Je donnerai, il a dit à Isaac, je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, c'est-à-dire à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. C'est la promesse de Dieu à Isaac. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. C'est quoi cela? Pauvreté? Pauvreté? Mais nous voyons, nous entendons parler, les personnes nous critiquent parce que nous prêchons la théologie de la prospérité. Si vous n'aimez pas la théologie de la prospérité, ne venez pas au centre d'accueil universel. Vous pouvez dire à vos amis, oh, si tu ne veux pas prospérer, ne va pas au centre d'accueil universel. Mais si vous voulez continuer misérable, vous aimez votre vie de misère, alors très bien, gardez votre foi. Mais ici, à l'Église, nous allons vous apprendre la prospérité. Parce que Dieu promet. Et regardez ce que Dieu parle. Il ne promet pas uniquement à Isaac, mais il promet aussi à qui? À ses enfants aussi. Amen? Amen? Non. Non, ce n'est pas amen. C'est pas amen. Il n'a pas dit à ses enfants. Il a dit à sa postérité. Qu'est-ce que c'est postérité? L'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, les enfants d'Abraham ont le droit à ce que Dieu a promis. Alors, ce n'est pas une chose seulement pour Isaac, pour Jacob, pour ses 12 enfants. Non, c'est pour toutes les descendances d'Abraham et après d'Isaac. Toutes les descendances. Dieu ne promet pas des choses petites, non. Dieu promet des choses grandes. Il veut des choses grandes pour vous. Il dit encore, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est-à-dire les descendants
de Isaac, il bénirait toutes les nations sur la terre. Les descendants d'Isaac béniraient et vous bénissent à vous, à moi, à nous tous. Indépendamment qu'ils soient fidèles ou pas à Dieu. Indépendamment s'ils sont bons, s'ils sont méchants, s'ils méritent ou pas, ils vont nous bénir à travers sa technologie, son intelligence, sa capacité, à travers ses habiletés, à travers ses sciences, d'une façon ou d'une autre. Ils vont bénir les peuples de toutes les terres. Lorsqu'une personne, ainsi comme Einstein, découvre les lois de la physique, elle bénit à qui? À qui? À toute l'humanité, oui ou non? Lorsqu'un médecin, un scientiste juif, il découvre une formule pour guérir une certaine maladie, il est en train de bénir toutes les personnes. Et c'est ce que Dieu lui promet. Alors il dit là, verset 5, parce que Abraham quoi? A obéi à ma voix. Et qu'il observait mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ça, c'est foi. Celle-ci est la foi que Dieu veut que vous viviez. Amen. Comprenez-vous ce que je dis? Par exemple, vous venez à l'église. Vous venez, vous avez la parole de Dieu, vous lisez la Bible, vous participez de la Sainte Cène, vous avez été baptisé de l'eau. Tout ça est très important. Vous êtes fidèle dans les offrandes, dans les dîmes, vous faites les défis, vous testez la parole de Dieu. Excellent. Si vous faites tout cela, mais dehors, vous vivez une vie de trahison, si vous vivez une vie de mensonges, de vol, je vous demande, à quoi bon que vous fassiez tout cela à l'église, si dehors, votre vie, vous la vivez n'importe comment? Je vous demande, ceci est la foi? Comprenez-vous ce que je dis? Si vous avez un enfant, et beaucoup ici ont des enfants. Alors, vos enfants sont très bien comportés à la maison. Quand ils sont assis à la table, ils prient, oh Dieu, etc. Ils sont excellents dans la maison. Mais quand ils sortent dans la rue, ils sont dépravés, ils font n'importe quoi. Ils sont déloyaux. Ils sont méchants. Est-ce qu'ils servent à quelque chose qui se comporte bien à la maison? C'est la même chose par rapport à nous devant Dieu. À quoi bon qu'on pratique une religion, une religiosité, et qu'on ait un comportement contraire à celui de la parole de Dieu? Alors, la foi que nous pouvons présenter à Dieu, elle exige que notre vie soit selon la parole de Dieu. Si vous voulez mon aide en prière pour vous, si vous voulez donner votre vie, mais donner vraiment, sans condition, vous voyez que Jésus parle. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout, de tout. C'est 100%. Ne peut pas être 99%. Tout ton cœur, toute ton âme, toute
o quê? O teu ta pensée. De todo o teu entendimento. Tout ta pensée. C'est tout ou rien. Se vous êtes disposé de sacrifier votre vie, vivre une vie correcte, se vous êtes disposé de vivre votre vie correctement pour être une offrande vivante au Dieu Tout-Puissant, alors venez ici devant et je vais prier pour vous. Vous que désirez cela, vous que vraiment avez le désir de changer de vie. Je vais vous expliquer pour vous que venez ici devant comment cela se donne d'une façon pratique. S'il vous plaît, venez ici deux lévites, ici dessus. L'un peut rester dans ce côté ici et l'autre de l'autre côté. Comme ça, c'est bon. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Dieu, mes chers, il sait de nos faiblesses. Il était sur ce monde, il a aussi souffert dans sa peau ce que nous souffrons. Jésus était homme, il a été tenté comme vous avez été tenté, comme nous sommes tentés. Jésus était une personne comme nous. Mais il devait être parfait pour servir comme sacrifice, parce que sacrifice ne peut pas être imparfait. Et comment l'Esprit Saint travaille-t-il? Vous n'avez pas les conditions pour contrôler par vous-même les désirs de votre cœur. Vous n'avez pas cette force pour résister à la tentation personnellement. Vous n'avez pas. Personne n'a. Ni moi, j'ai. Moi, je n'ai pas des forces pour résister à la tentation. Cependant, il y a un détail qui fait la différence. Il y a un détail. Lorsque la personne elle reconnaît devant Dieu, oh mon Dieu, je n'arrive pas à contrôler ma chair. Je suis une personne que je dépends, je vis comme ça, mais je ne veux pas vivre comme ça. Je suis une personne, par exemple, je suis une prostituée. Mais je suis une prostituée parce que j'ai pas d'emploi, j'ai pas qui m'aide, j'ai un enfant pour élever, j'ai une situation critique dans ma vie. J'ai pas d'opportunité, j'ai pas d'études. La seule chose que j'ai pour faire de l'argent, c'est mon corps. La même chose, vous pouvez dire, du garçon, de l'homme. Mais mon Dieu, je ne veux pas ça pour ma vie. Amen. Le Seigneur connaît, parce que Dieu le sait. Dieu sait ce que vous pensez, ce que vous avez pensé, ce que vous penserez. Il sait toutes choses. Il sait si vous êtes sincère, honnête, du point de vue de vos intentions ou pas. Dieu le sait. Se vous êtes cette personne qui, ensemble avec vos péchés, vous avez une sincérité, un désir de changer de vie, que c'est comme cette femme-là, cette femme prostituée. Elle est au lit à
avec un homme dans l'hôtel. Il lui transpire, mais elle dit, mon Dieu, c'est pas ça que moi je veux. Elle est comme si elle était une poupée. C'est pas ça que je veux pour ma vie. Aide-moi, mon Dieu. Qu'est-ce que moi je peux faire pour sortir de cette vie? Comprenez-vous ce que je dis? Cette intention-là, c'est assez pour que Dieu ouvre la porte pour vous. Que cette intention. Elle n'a pas encore laissé le péché, mais elle a le désir sincère de sortir de cette vie-là. Alors Dieu va montrer l'issue. Comprenez-vous ce que je dis? Oui ou non? La même chose, vous vivez du vol. C'est comme le bandit a parlé à un de nos pasteurs. Je veux quitter cette vie, mais comment je vais faire? Si je sors de là, on va me tuer. La police va me tuer. Je ne sais pas quoi faire. Comment je vais faire? Je me vois sans issue. Dieu va montrer l'issue. Amen. Si vraiment on veut, lorsque vous, vivant dans cette situation misérable, vous avez le désir sincère de quitter, c'est comme si vous marchiez vers Dieu. Amen. Alors, c'est clair que le Saint-Esprit vient à votre rencontre pour étendre la main et vous aider à quitter cette situation. Et là, il vous donne la force, il vous donne la vigueur, il vous donne le courage pour prendre des attitudes. Si ce n'est pas cela, si vous ne prenez pas cette attitude, alors vous continuez de marcher en direction à l'enfer. En route vers l'enfer. Et personne ne peut rien faire pour vous. Comprenez-vous? Oui ou non? N'oubliez pas, jamais. Pouvez-vous vous approcher plus, les deux? Ici, disons, est Dieu. Ici, disons, c'est le diable. Ici, c'est vous. Moi, chacun de nous. Lorsque nous plions devant Dieu, alors on donne le dos au diable. Mais lorsque nous décidons de tourner le dos à Dieu, alors nous nous soumettons au diable. Votre vie, c'est cela. Votre vie, elle est inclinée vers le diable ou elle est tournée vers Dieu. Ou d'un côté ou de l'autre. Si vous plaisez Dieu, alors vous déplaisez le diable. Se vous déplaisez le diable, vous plaisez Dieu. Amen. C'est votre âme qui est en jeu, mon ami. Soit Dieu, soit le diable, ils se disputent pour votre âme. Parce que votre vie aujourd'hui, elle est ce qu'on voit. Et demain, et dans 10 ans, et dans 50 ans, où serez-vous? Je ne sais pas. Oui ou non? Après qu'on meurt, mon ami, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de choix. Vous pouvez décider pour l'un ou pour l'autre, tandis que vous êtes en vie. C'est votre tête, c'est votre désir, c'est votre conscience. Cela est religion? Non, ce n'est pas religion. À cela, on appelle foi, qui en traduisant, on dit vie. Se vous faites un effort pour quitter cette vie méchante, sale, alors vous pouvez être sûr que vous allez compter sur le soutien de Dieu pour vous sauver. Mais si vous ne faites pas des efforts, vous essayez, ça n'a pas marché, alors oubliez.
cette dame, 15 années dans l'église, vivant entre une chose et l'autre. En réalité, jamais elle n'a eu aucun moment pour plaire Dieu. Elle a toujours voulu se plaire elle-même. Et sûrement sa vie ne changera jamais. Comprenez-vous ce que je dis? On parle ici d'intelligence. C'est vous qui décidez votre vie. Se vous acceptez ou n'acceptez pas cette proposition que Dieu vous fait, c'est votre problème. Il n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de lui. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Oui ou non? Avez-vous compris? C'est clair. Alors, vous ne voyez pas Dieu, ni le diable. Vous voyez le diable quand vous regardez au miroir et vous voyez votre vie disgracieuse. Là, oui, vous voyez le diable, vous voyez le mal. Mais vous voyez Dieu lorsque vous vous regardez au miroir et voyez votre visage joyeux, votre visage en paix. Oui ou non? C'est là est la réalité. Amen. Alors la proposition que Dieu fait pour vous est la suivante. Entends ma parole et obéis à mes commandements. Si vous obéissez, vous marchez comme Abraham, il marchait. Il a dit, oh Isaac, je te bénis, je te donne toutes ces terres, cette richesse, je te donne à toi et à toute ta descendance. Ce n'est pas parce que tu es bon, mais à cause de ton père qui a entendu, qui a obéi à ma parole. C'est cela. C'est ce que vous voulez. Vous êtes patron, vous voulez que votre employé obéisse à votre parole, n'est-ce pas? Vous qui êtes père, mère, vous voulez que vos enfants obéissent à votre parole, parce que vous savez ce que c'est mieux pour eux, n'est-ce pas? Vous allez recevoir la force maintenant. Écoutez ce que je dis. Merci. Vous allez recevoir force maintenant. Ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est déjà effacé, pardonné. Vous êtes propre devant Dieu. Vous êtes propre. Mais j'espère que dimanche prochain, vous ne soyez pas à nouveau ici devant en disant « Pardonne-moi mes péchés ». Et le dimanche d'après, « Pardonne-moi mes péchés ». Et l'autre dimanche, « Pardonne-moi ». Vous ne pouvez pas être malicieux, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous devez changer. Ou est-ce que vous allez passer 15 ans en demandant pardon pour le même péché? Maintenant, vous êtes libre. Vous êtes propre. Votre vie est propre devant Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes venu ici devant. Cela est une attitude de foi de votre part. Cela est la foi. Vous êtes venu devant. Pourquoi? Je vous ai convaincu de cela? Non. C'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu. Parce qu'il y a d'autres qui sont là, dans la même situation, ils ne sont pas venus. Mais vous êtes venus. Alors quelle est la différence? Ils n'ont pas eu la foi, mais vous avez la foi. Alors cette foi a déjà guéri votre âme. Et au nom du Seigneur Jésus, recevez la force de l'Esprit de Dieu là où vous êtes. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père, que soient ces personnes enveloppées par ta présence. Que soient ces personnes, mon Dieu, fortifiées. Une fois que le Seigneur les a pardonnés, alors mon Père vient leur fortifier. Parce que Abraham, il ne t'a pas obéi parce qu'il était
une personne parfaite, non, mon Père. Il t'a obéi parce que sûrement le Seigneur l'a inspiré à l'obéissance. Le Seigneur l'a donné le courage pour obéir. Le Seigneur l'a donné des forces pour obéir parce qu'il n'était pas différent de nous, mon Seigneur. Cela est la réalité. Nous avons besoin de ta force pour obéir. Nous avons besoin de ton onction pour t'obéir, ô Père. Nous avons besoin de ta présence pour avoir la foi, mon Père. Nous avons besoin, mon Dieu. Sans cela, il est impossible de t'obéir. Ô mon Père, le Seigneur voit l'intention de ce cœur en vouloir quitter la vie erronée derrière et commencer à vivre dans l'obéissance à ta voix, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu. Alors viens sur ce peuple ici maintenant. Recevez maintenant, mon ami, la force, l'onction, la vertu du Saint-Esprit, là où vous êtes. L'Esprit du Très-Haut vous enveloppe. L'Esprit du Très-Haut vous accepte et vous enlace, malgré que vous êtes un homme, une femme, pleine de fautes, mais Jésus pardonne et il vous rend digne du royaume de Dieu. Alléluia. Recevez maintenant la force du Saint-Esprit, mon ami. Parlez avec Dieu là où vous êtes. Au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.